Le 12 novembre 2020, le secrétaire général Xi Jinping a visité l'exposition sur le 30e anniversaire du développement et de l'ouverture de Pudong. Pudong, 开放 30年 de 历程, 走的是一条 解放思想, 深化改革之路, 是一条 面向世界, 扩大开放之路, 是一条 打破常规, 创新突破之路. L'orientation décide de la voie, et la voie décide du destin. Sur la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, le PCC a toujours conduit le peuple chinois pour aller de l'avant au mépris des difficultés. Après 1985, avec l'approfondissement de la réforme et de la transformation du système économique, des problèmes profonds dans la société chinoise font surface. L'économie chinoise souffre de l'inflation, de la flambée des prix, des projets faisant double emploi et de la surchauffe. Des corruptions au sein des organes du parti et des administrations, ainsi que dans la société, provoquent la répulsion des masses populaires. Des forces hostiles à l'intérieur et à l'extérieur du pays en profitent pour s'infiltrer, troubler l'ordre social et diviser la société, dans l'intention de désorienter la Chine du cap du socialisme. Des forces politiques et des personnes aux desseins inavouables de certains pays se mettent à l'infiltration idéologique et politique par tous les moyens et incitent les gens à s'en prendre au PCC et au gouvernement sous prétexte de la démocratie. Un courant d'idées en faveur de la libéralisation bourgeoise regagne du terrain. Tous ces facteurs conduisent aux graves troubles politiques qui auront lieu à la fin du printemps 1989. Avec le soutien ferme de Deng Xiaoping et d'autres révolutionnaires de la vieille génération, le PCC, le gouvernement, s'appuie sur le peuple et s'oppose sans équivoque aux troubles. Ils adoptent des mesures avec résolution et réussissent à mater l'émeute contre-révolutionnaire, défendant ainsi le régime socialiste, les intérêts fondamentaux du peuple et le cap de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation du pays. En juin 1989, le 4e plénum du 13e comité central du PCC élit Jiang Zemin au poste de secrétaire général du comité central du PCC. Se voyant confier une mission difficile, Jiang Zemin citait souvent le mandarin des Qing, Lin Zexu, pour celui qui s'est décidé à servir l'État sans se soucier de sa vie. Il n'est pas question de reculer devant un malheur. Face à la situation complexe, le comité central du PCC fait de gros efforts pour renforcer la construction du parti, resserrer les liens avec le peuple, intensifier la punition de la corruption en sévissant contre des infractions graves. Le travail d'aménagement, interrompu à cause des troubles politiques, a été remis dans l'agenda. Le projet panier de la ménagère se poursuit. L'inflation est contrôlée et des désordres dans le domaine des liquidités commencent à être gérés. Un pays prospère où il fait bon vivre. Telle était l'aspiration de l'ensemble du peuple chinois. Mais des pays occidentaux faisaient un grand tapage des troubles politiques de 1989 pour imposer des blocus économiques et des sanctions à la Chine. Face à des pressions internationales, les communistes chinois ont réagi sans équivoque. Les
Pour se doter d'une situation favorable, le PCC et le gouvernement chinois travaillent d'un côté à développer des relations avec les pays voisins et à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement, et de l'autre, à rétablir et à stabiliser les relations avec les pays occidentaux développés pour continuer de créer un environnement extérieur favorable à la réforme et à l'ouverture. Le 7 août 1990, au pied de la montagne Yenching Tangula, une fille tibétaine de 14 ans a allumé la première flamme des Jeux asiatiques de Beijing. Les 11e Jeux asiatiques se tiennent à Beijing. C'est le mouvement sportif international le plus grand que la Chine nouvelle ait organisé depuis sa fondation jusqu'à la fin du XXe siècle. Ces Jeux battent un nouveau record avec la participation de 37 pays et régions. Le succès des Jeux asiatiques fait redécouvrir au monde une Chine ouverte, civilisée, amicale et confiante en elle-même. En novembre 1993, Jiang Zemin participe sur invitation à la réunion des dirigeants des entités économiques de l'APEC, en marge de laquelle il s'entretient officiellement avec le président américain Bill Clinton. La Chine relève les défis extérieurs et en finit avec les sanctions des pays occidentaux. Le jour de l'an du calendrier lunaire en 1990, Beijing est couverte de neige. Une grande décision qui met en jeu l'avenir de l'économie chinoise est en gestation. En octobre 1990, le chef de la Commission nationale de réforme du système économique, Chen Jinhua, soumet à Jiang Zemin un rapport d'études des analyses des économistes occidentaux et des pays socialistes sur les relations entre l'économie planifiée et l'économie de marché. Sa conclusion, l'économie capitaliste peut recourir à la planification et l'économie socialiste peut développer l'économie de marché. Jiang Zemin, Le marché boursier qui vient de voir le jour dans la réforme économique est toujours en fonctionnement à titre expérimental. Le débat sur sa construction ou son annulation existe toujours. Au 10e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen en 1990, Jiang Zemin, qui participe à la conférence de célébration, écoute le rapport du maire de Shenzhen, Zheng Yanghu, sur la bourse de Shenzhen et son développement. En décembre 1990, la bourse de Shanghai est ouverte. En juillet 1991, la bourse de Shenzhen est ouverte. L'ouverture des bourses de Shanghai et de Shenzhen et l'introduction du système de l'opération à terme envoient un signal fort au monde. La Chine restera déterminée à poursuivre sa réforme économique. Début 1990, Deng Xiaoping, rentré à Beijing de Shanghai, appelle les responsables du comité central du PCC à suivre de près le développement de Pudong à Shanghai.
Selon lui, Shanghai est un atout et le développement de Shanghai est un raccourci à prendre pour le développement de la Chine. Déjà en 1986, Jiang Zemin, alors maire de Shanghai, propose de développer l'économie de Pudong. Jiang Zemin donc, lead Shanghai City Overall Plan. Sa direction de développement, sur le plan de la construction, est très importante. Il insiste sur le point de développement. En 1990, le développement et l'ouverture de Pudong s'accélèrent. Le 18 avril, l'État annonce la mise en application des politiques de zones de développement économique et technique et de certaines mesures de zones économiques spéciales. Pudong, en 1990, 我们提出浦东开发，国际上广泛的认为这只是一个口号，不是实际行动。但是我们并不因此停步继续的做规划和建设。我们提出了一个说法，就是站在地球一旁边思考浦东开发。黄浦江的鱼是不够吃的，我们要吃太平洋的鱼。Depuis la proposition du développement et de l'ouverture de Pudong, moins de 3 mois se sont écoulés pour que la décision soit prise. Il s'agit d'une décision majeure du comité central du PCC, basée sur une analyse pertinente des situations internationales et nationales et de l'intérêt général de la réforme et du développement. C'est un pas important que la Chine fait dans la réforme et l'ouverture. Au même moment, la situation internationale connaît un virage. Brusque changement de situation en Europe de l'Est et dislocation de l'URSS font subir au socialisme mondial un grave revers. D'aucuns en Chine, peu confiants en l'avenir du socialisme, commencent à avoir des doutes sur la réforme et l'ouverture, et vacillent quant à la ligne fondamentale du parti. À ce moment crucial pour l'avenir du parti du pays, Deng Xiaoping, âgé de 88 ans, se rend dans le sud de la Chine pour y tenir des entretiens importants au début de 1992. Deng Xiaoping avance sans équivoque que la différence fondamentale du capitalisme et du socialisme ne réside pas dans le poids de la planification ou du marché dans une économie, et que tous les deux étant des moyens économiques, l'économie de marché pourrait aussi servir le socialisme. Selon lui, il faut faire preuve de plus de courage dans la réforme et l'ouverture, surtout dans l'expérimentation. Il affirme que lorsqu'on s'est fixé un objectif, il faut y travailler avec audace. Les déclarations de Deng Xiaoping dans le sud de la Chine dissipent les interrogations et les doutes. Elles annoncent l'arrivée d'un nouveau printemps de la réforme et de l'ouverture en Chine. Le 9 juin 1992, Jiang Zemin prononce un discours lors du séminaire des cadres de l'échelon provincial ou ministériel et avance pour la première fois la formule économie de marché socialiste. En octobre 1992, le 14e congrès du PCC se tient avec succès. Il est souligné à cette occasion qu'il faut saisir les opportunités pour accélérer le développement et concentrer toutes les énergies sur la construction économique. Il est confirmé que la réforme du système économique chinois a pour but de mettre en place le système d'économie de marché socialiste. Le congrès fait un résumé scientifique, une appréciation pertinente de la théorie de Deng Xiaoping sur la construction du socialisme aux caractéristiques chinoises et avance la mission d'armer le PCC avec cette théorie. Développer l'économie de marché dans des conditions socialistes, c'est une grande initiative du PCC. Un développement majeur du marxisme par les communistes chinois et une percée importante réalisée dans l'histoire du socialisme. Mettre en place l'économie de marché socialiste a pour priorité la réforme des entreprises publiques.
À partir de 1994, des réformes à titre expérimental sont menées dans des entreprises publiques, visant à établir un système d'entreprise moderne. D'importantes percées sont obtenues dans l'allègement du fardeau d'entreprise, la suppression des services non productifs et la réinsertion du personnel en surnombre. La réforme renforce aussi les capacités de l'offre et les forces productives. Les tickets de rationnement, autrefois nécessaires à la vie quotidienne, finissent par entrer dans les musées à partir de 1993. Le 19 février 1997, l'architecte en chef de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation en Chine, Deng Xiaoping, s'est éteint. Le monde entier attend de voir si le PCC poursuivra la voie du socialisme à la chinoise, frayée par Deng Xiaoping. En septembre, le 15e congrès du PCC se tient solennellement. Il confirme le rôle directeur de la théorie de Deng Xiaoping au sein du parti, avance le programme de base du parti à la phase inférieure du socialisme, explicite les caractéristiques et exigences fondamentales économiques, politiques et culturelles du socialisme aux couleurs chinoises, précise la nouvelle stratégie de développement en trois étapes et adopte des dispositions stratégiques pour le développement de la Chine à la charnière des deux siècles. Le principe « gouvernement du pays en vertu de la loi » est officiellement la stratégie fondamentale de la gouvernance du pays par le peuple, sous la direction du PCC. La stratégie de renouveau national grâce aux sciences et à l'éducation est appliquée en profondeur, permettant à la Chine de réaliser d'énormes succès dans le développement des sciences et technologies. La stratégie du développement durable obtient des progrès majeurs dans des domaines importants. La stratégie de la mise en valeur de l'ouest de la Chine est lancée sur tous les plans. Un grand nombre de projets clés sont mis en chantier. À mesure que la réforme progresse au sein du pays, l'ouverture sur l'extérieur gagne en profondeur. Adhérer à l'OMC est une décision importante prise par le comité central du PCC. L'OMC a été créé sur la base de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. Du retour au GATT à l'adhésion à l'OMC, la Chine a mené des négociations pendant 15 ans. Celles avec les États-Unis se sont avérées exceptionnellement complexes et difficiles. Jiang Zemin a souligné trois principes pour ces négociations. Dans les négociations, la Chine fait preuve de patience et de sang-froid, estimant que tout vient à point à qui sait attendre. Le 10 novembre 1999, le 25e tour de négociations sino-américaines commence. Ces négociations sont extrêmement pénibles et durent 6 jours et 6 nuits. 谈判最紧张的时刻，大概夜间12点左右，突然通知我，江泽民同志要给我通话。 Au téléphone, Zhou Guangsheng fait un rapport exhaustif des divergences et des difficultés les plus cruciales dans les négociations avec les Américains. Le 15 novembre 1999, la Chine et les États-Unis signent un accord bilatéral sur l'accès au marché, nécessaire à l'adhésion de la Chine à l'OMC. Après le succès des négociations sino-américaines, la Chine parvient rapidement à signer les accords bilatéraux avec les autres membres de l'OMC et accomplit ensuite les négociations multilatérales. The ministerial conference so agrees.
Le 11 décembre 2001, la Chine devient le 140e membre de l'OMC. L'adhésion à l'OMC offre à la Chine une position favorable dans l'élaboration des règles et la compétition internationale au cours de la globalisation économique. Elle ouvre de nouveaux horizons à l'ouverture chinoise. L'année 2001 touche à sa fin. La neige tombe à nouveau sur la ville de Beijing. Cette année-là, la première conférence internationale qui siège en Chine, le Forum de Boao pour l'Asie, est créée à Hainan. La première organisation de coopération régionale créée avec la participation et l'impulsion de la Chine et appelée au nom d'une ville chinoise, l'Organisation de coopération de Shanghai, voit le jour. La Chine est désignée pays hôte des 29e Jeux olympiques d'été. La 9e réunion des dirigeants des entités économiques de l'APEC est organisée avec succès à Shanghai. Une nouvelle structure des relations extérieures tous azimuts et à différents niveaux est ainsi formée en Chine. Tout en faisant progresser la cause du socialisme à la chinoise vers le 21e siècle, le PCC a uni et dirigé le peuple chinois vers la réponse à toutes sortes de risques et de défis. Été 1998. Une inondation séculaire frappe le bassin du fleuve Yangtze. Les villes de Jinzhou, de Wuhan et de Zhejiang demandent un secours d'urgence. Le comité central du PCC mobilise immédiatement des forces de secours. Tout le parti, toute l'armée et tout le peuple mènent vaillamment une lutte contre les eaux. Au bout de 2 mois de lutte opiniâtre, les militaires et les populations ont réussi à protéger les digues et barrages principaux, à défendre la sécurité du peuple et à préserver l'intérêt général de la stabilité sociale et du développement économique. À chaque moment décisif, le PCC est présent avec sa direction ferme. À chaque combat important, les communistes chinois sont présents avec leur courage et détermination. Sur chaque pouce de la terre chinoise, il y a des membres du PCC qui se sacrifient pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple. Le 1er juillet 2001, à l'occasion du 80e anniversaire du PCC, Jiang Zemin fait le bilan du parcours et des expériences fondamentales du PCC pendant les 80 dernières années et explique de manière exhaustive le sens et les exigences de la pensée importante de la triple représentation. La pensée importante de la triple représentation sur la base de la théorie de Deng Xiaoping répond de manière plus poussée aux questions de ce que représente le socialisme et de comment l'édifier, et de manière créative, aux questions de quel type de parti doit-on forger et de comment s'y prendre. Le 6e congrès du PCC définit la pensée importante de la triple représentation comme l'idée directrice du parti, en même temps que le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong et la théorie de Deng Xiaoping. Il s'agit là d'un nouveau progrès en phase avec le temps de la pensée directrice du PCC. Le 31 décembre 1999, plus de 20 000 personnes se réunissaient au monument du Millennium de Chine pour fêter l'arrivée du nouveau millénaire. La cloche sonne l'arrivée du nouveau millénaire. Sur le seuil du nouveau siècle,
Les Chinois se félicitent des succès que leur pays a obtenus. Le PIB chinois franchit pour la première fois le cap de 1 000 milliards de dollars américains. La vie du peuple est passée dans son ensemble d'une satisfaction alimentaire et vestimentaire à une aisance modeste. Les communistes chinois, avec le camarade Jiang Zemin comme représentant principal, ont su surmonter les épreuves à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils ont bien tenu le drapeau du socialisme aux caractéristiques chinoises et fait entrer au 21e siècle un pays prospère et florissant.从贫弱到富强，走出复兴伟业征途。